Par une nuit de pleine lune, neuf femmes forment un cercle sur une colline rocheuse qui surplombe la ville. Le ciel de l'ouest est rose et le soleil couchant. À l'est, la face de la lune commence à scruter l'horizon. La femme verse un gobelet de vin sur la terre, le remplit et le soulève bien haut. « Je te salue, Tana, mère des mers, » pleure-t-elle. Réveillée de ton long sommeil et revenue à tes enfants de nouveau. L'affirmation du pouvoir féminin contenu dans le symbole de la déesse a des conséquences à la fois psychologiques et politiques. Psychologiquement, cela signifie la défaite de la vision engendrée par le patriarcat, selon laquelle le pouvoir des femmes est inférieur et dangereux. Cette nouvelle humeur de l'affirmation du pouvoir féminin conduit également à de nouvelles motivations. Elle soutient et sous-tend la confiance des femmes en leur propre pouvoir et dans celui des autres femmes au sein de la famille et de la société. Le symbole de la déesse facilite le processus de nomination et de réaffirmation du corps féminin, de ses cycles comme de ses processus. Dans le monde antique, et chez les femmes modernes, le symbole de la déesse représente la naissance, la mort. Que le processus de renaissance des mondes naturels et humains. Le corps féminin est considéré comme l'incarnation directe de la croissance et de la décroissance des cycles de la vie et de la mort dans l'univers. Cela peut s'exprimer à travers la connexion symbolique entre les cycles de 28 jours de la menstruation et ceux de 28 jours de la lune. De plus, la déesse est célébrée sous le triple aspect de la jeunesse, de la maturité et de l'âge, soit de la jeune fille, la mère et la vieille femme. La potentialité de la jeune fille est célébrée sous la forme de la nymphe ou de la vierge chez la déesse. La déesse comme mère est parfois représentée donnant naissance. Et donner naissance est considéré comme le symbole de tous les pouvoirs créatifs vivifiants de l'univers. Les pouvoirs vivifiants de la déesse dans son aspect créatif ne sont pas limités à la naissance corporelle, puisque la déesse est également considérée comme créatrice de tous les arts issus de la civilisation, y compris la guérison, l'écriture et l'exercice de la loi juste et équitable. Les femmes arrivées au milieu de leur vie et qui ne sont pas mères au sens physique du terme peuvent donner naissance à des poèmes, à des chansons et à des livres ou nourrir d'autres hommes, femmes, autres et enfants. Elles sont elles aussi des incarnations de la déesse dans son aspect créatif, pourvoyeuse de vie.
leur vie, les femmes incarnent l'aspect vieille chouette de la déesse. La vieille femme sage, la femme qui sait par expérience ce qu'est la vie. La femme dont la proximité de sa propre mort offre une distance et une perspective sur les problèmes de la vie est alors célébrée comme le troisième aspect de la déesse. Ainsi, les femmes apprennent à valoriser la jeunesse, la créativité et la sagesse en elles-mêmes et chez d'autres femmes.